On se retrouve ici au stade olympique de la Pontaise après la victoire 4-1 du Lausanne Sport contre le FC Winterthur. João Oliveira, on peut dire que le Lausanne Sport, sur ses 4 derniers matchs, est enfin en train de montrer ce qu'on attend de lui. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a eu un petit déclic. C'est vrai que là, on a lancé la machine et puis tout va bien pour nous. On marque, on gagne nos matchs et on est confiant surtout. On réussit nos occasions, c'est vrai que je pense qu'on pourrait encore plus marquer. Mais très content des 3 points et maintenant Aro. Alors le fond de jeu est là, on l'a dit sur les 3 derniers matchs. C'était un vrai test ce soir contre le FC Winterthur pour le début de cette série de 3 matchs très importants. Sur quels aspects du jeu vous avez encore travaillé cette semaine ? Moi je pense que Winterthur c'était un match comme les autres. Maintenant on a des finales à jouer. Winterthur c'était le prochain, maintenant vient Aro. C'est vrai que ce qu'on doit améliorer je pense c'est la finition devant le but. Je pense qu'on est trop gentil et puis aussi de nouveau aujourd'hui on a donné un cadeau à Winterthur, on les a fait espérer avec une fausse passe mais Gonçalo nous a déjà sauvé plein de fois donc on était là nous pour derrière pour marquer et puis pour faire gagner l'équipe. Ouais, donc c'est vrai que si finalement s'il faut trouver un point faible dans cette rencontre c'est cette première mi-temps où vous devez vous mettre plus vite à l'abri au final. Voilà, c'est ça. Je pense que la première mi-temps 3-0 pour nous, quoique ils ont une occasion nette. Mais je pense qu'on a dominé la partie et puis on avait tout qui était entre nos mains. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quand même quelques regrets au vu des dernières prestations sur cette saison 2018-2019, étant donné que là, vous montrez, vous êtes plutôt calibre Super League, on peut le dire, en ce moment. Des regrets, je pense, c'est par rapport aux cadeaux qu'on a fait aux autres équipes. Si on voit par exemple le match contre Servette, on leur donne 2 cadeaux. Plein de cadeaux qu'on a fait à Chiasso, Kriens. C'est des points qu'on aurait dû prendre normalement, 3 points, et si on regarde ces points, je pense qu'on serait côte à côte avec Servette. Donc, maintenant c'est à nous de tout donner pour aller chercher cette deuxième place si la première n'est plus possible. Mais nous les barrages on est confiants et puis je pense qu'on va réussir tous ensemble à aller en Super League. Et il y a donc ce match contre Aro le week-end prochain, ça sera on va dire le match décisif, on peut le dire. Ouais, on peut dire comme ça, ça sera le match contre Aro. C'est vrai que ça va être un gros match. Ça se joue, je pense, entre eux et nous pour la deuxième place. Mais eux, ils vont demain à Servette. Donc, on attend de voir tout ce qui se passe. Mais on va là-bas pour gagner et pour prendre les 3 points. Ça, c'est sans aucun doute. En tout cas, merci beaucoup, João Oliveira. Puis félicitations. Merci.